Baby. Yeah. J'essaie de pas crier ce fucking matin. Je suis là, je suis vraiment de retour dans ce channel YouTube. C'est un peu un débuzz, j'ai l'impression que ça fait mille ans que je peux faire des vidéos, mais ça fait colissement longtemps. What it do, baby? J'existe encore. Je sais que vous m'avez peut-être oublié, YouTube, c'est comme tu poses pas, t'existes plus. Puis j'ai jamais décidé que j'allais arrêter. C'est juste que mon voyage était crissement mal organisé. Puis c'était vraiment le fun, puis tout. Mais comme je suis pas un vlogueur, je suis pas Logan Paul. Moi, je suis comme. Commencer cette vidéo par dire Olivier Primo, le but premier de cette vidéo, puis mon objectif le plus profond qui est proche à mon cœur, man. Moi, je fais cette vidéo pour attirer ton attention un peu parce que en septembre 2018, ok, j'ai retrouvé la date pour faire cette vidéo. Pour remettre en contexte, ok, vous rappelez quand Nike a fait une annonce avec Colin Kaepernick, il y a c'était écrit en noir et blanc, genre I believe, whatever, c'était genre une annonce contre le racisme. Puis c'était devenu un meme de faire des photos comme ça. Puis Olivier Primo, il l'a pris vraiment au sérieux, puis il a posté sur son Instagram une photo, tu le fais même si personne croyait en toi. Puis comme je l'ai juste fait un story où est-ce que je l'ai roast, j'ai fait ok, checker le story. Olivier Primo, man, je comprends ce qui t'arrive là, big, mais t'es vraiment le Colin Kaepernick du Québec, bro. Puis comme tout le monde, man, regardez pour une bonne cause, man, XOXO cet automne sur les ondes de TVA, man. C'est contre le racisme. Of course, il va y avoir deux noirs dans la série. Yo, no hate, là, je voulais pas. J'ai fait une diss track à Olivier Primo, bro? Non, bro. Bro, je pense que je vais aller les bars pour Olivier Primo, man. Try and diss track. Ah. Yo, je suis vraiment buzzé. Mes stories sont inoffensifs, pis j'avais pas de followers. Mind you, là, y'avait 800 même pas followers sur mon Instagram, là, pis j'étais comme yo, moi là, moi je vais niaiser Olivier Primo. Il me répond, voici les DM. Je sais un peu les DM, mais tu m'as bloqué. Si tu me bloques, je vais montrer les DM, ok? Parce que j'ai rien dit de méchant, Oli. Rien, ok? Pis tu m'as bloqué. Faut que je me fasse un finsta pour aller checker tes stories, Oli. Un finsta. Je veux que tu me débloques, Oli Primo. Pis je vais faire cette vidéo où est-ce que je vais te roast un peu parce que c'est le fun pis j'aime ça, tu sais. Mais comme, je veux que tu me débloques. Je vais commencer par dire live, ok? Que oui, Olivier Primo, c'est un fucking entrepreneur qui a deadly shit, man. Il a ouvert le beach club. Le monde sont allés pis je suis fier de lui. Il a fait métro-métro. J'ai dit que ça allait foirer. Ça a réussi. J'ai take un L. Let's go. Je veux pas parler de sa business. Je respecte sa business. Live, qu'est-ce qu'il fait avec les boissons BGFD? Il doit tellement faire de cob qu'il y a du respect pour les gens qui font du cob. Moi, je veux parler de sa relation avec l'Internet. Olivier Primo, il y a cette espèce de fascination avec les réseaux sociaux. C'est comme, il sait qu'il est un peu trop vieux, genre, pour être dans la game. Là, je fais de l'âgisme, ok? Faut pas que je fasse de l'âgisme. Mais non, il s'entoure de personnes jeunes qui sont popping sur Instagram pour se faire pop sur Instagram. Puis il fait des giveaways avec eux. Olivier Primo, là, il fait comme, yo, on va faire un giveaway pour Beach Club pour promouvoir un événement avec des filles d'OD. Puis t'es pas obligé juste de taguer Beach Club. Faut que tu tagues Olivier Primo. Faut que tu lui donnes du clout. Il est down de faire du cob avec son club. Son club peut avoir du clout, mais il faut qu'il ait du clout lui aussi. Puis je relate moi avec. J'ai remarqué que Olivier Primo est accro aux stats sur Internet de la façon la plus absurde de tous les temps. Avant même que je planifie faire une vidéo sur lui, il a fait un vlog de Métro Métro, ok? Son festival qui a fucking bien fonctionné. Shout out Olivier Primo, bon festival. C'est on some Gary V type shit, là. C'est comme on le suit, fait ses moves business. Genre, c'est un bon vlog. Comment j'ai vu ce vidéo? Moi, je suis pas abonné à Olivier Primo sur YouTube. Puis mon feed est complètement anglophone. Quelques YouTubers francophones depuis que j'ai commencé YouTube, mais majoritairement, là, c'est que des YouTubers anglophones. Sur mon feed YouTube, en haut, il y a une annonce qui est display, ok? Puis c'est écrit Métro Métro Vlog Olivier Primo Sponsored. En haut de mon feed recommended. Ça, c'est une grosse annonce sur YouTube. Pour mettre ton vidéo là, ça coûte du cop. Mais moi, j'enlève pas ça à Olivier Primo. C'est un gros move, tu sais. T'as fait ça pour qu'on voit ton vlog. Qu'est-ce qu'il a fait de Snake, Olivier Primo? C'est que après, il a fait un story sur Snapchat, ok, 3 semaines plus tard que moi, ça m'est arrivé ça. Puis il a dit dans le story, salut, on a fait un vlog de Métro Métro, je l'ai pas encore share nulle part, mais il y a déjà 10 000 vues, fait que vous l'attendiez vraiment, vous l'avez cherché, tu sais. Comme il insinuait vraiment que le monde attendait le vlog, au lieu de faire comme, ah ouais, on a payé des grosses annonces sur YouTube pour que ça aille sur le feed du monde. Fait que j'avais oublié de vous dire, pendant que j'étais à Saint-Pi, j'ai fait un vlog résumé de Métro Métro, qui est en ligne depuis genre un mois et demi. Déjà 11 000 vues, puis je l'ai pas mis nulle part. Fait que d'après moi, le monde l'attendait. Swipe up. Tu vois, c'est juste un move d'apparence. Genre, les views, c'est comme. Moi, je postais des vidéos sur YouTube, il n'y avait pas de views, je postais des vidéos sur YouTube. Tu sais, lui, il faut que ça aille des chiffres. Il veut pas que tu cliques sur son vidéo YouTube, puis son vidéo YouTube, il y a 872 vues. Il veut qu'il en ait 10 000. Puis il va payer les annonces, mais il va pas le dire. Il va dire qu'il y avait du hype. Genre, ça, c'est juste comme manufacturer
du hype. Puis c'est un move, c'est pas un move de gars, j'ai l'impression, qui a un gros club puis qui fait ben de club. Pourquoi avoir cette relation avec les réseaux sociaux? Puis je comprends que les réseaux sociaux sont au fondement même du marketing, de comment faire des choses en 2019. Ton club peut avoir une image, puis toi, tu peux être. Tu sais, en fait, fais ce que tu veux, mais j'ai bitché parce que je bitch, bro, ce que je te dis. Débloque-moi. Moi, là, je vais te lancer tes fleurs, même si t'es cringe, même si t'es fuck, même si tu fais des reviews de poutine sur Internet. T'as complètement rip-off le concept du gars de Barstool, mais c'est comme, c'est correct, tu le sais. Instagram t'a monté à la tête, Olivier Primo, quand t'as décidé de me bloquer, ok? Quand t'as décidé de me bloquer, Olivier Primo, ça m'a affecté dans l'ego parce que je suis susceptible. Je suis fucking susceptible. J'avais 800 followers, bro, puis je voulais vraiment suivre ton contenu. Fait que débloque-moi, s'il te plaît. Puis me semble, j'ai pas été méchant. Fait comme yo. Sinon, bro, 2 minutes. Man, c'est une série que j'aime faire, que je sais pas quand je vais refaire. Puis je suis back avec les uploads on the regular. Subscribe, like la vidéo, comment, what it do. Hey, bonne rentrée, les gens qui font la rentrée scolaire. Bonne rentrée. Fais les doses, fais les bails, reste à l'école, Pam. Yo yo, écoute Pam, yo Pam, reste à l'école, ok Pam? Dog one.